Désolé, j'étais hypnotisé par cette machine. Ouais, aujourd'hui, on va changer ça. C'est pas si efficace. Le problème, en passant, ça va, vous autres? Ça va bien, comme d'habitude. Le problème, c'est que ça fournit beaucoup si je suis à côté. Si je suis pas à côté, ça fournit pas assez. Puis j'aimerais faire d'autres choses avec de l'essence de mob, avec du jus de mob. C'est plein de vitamine R, c'est excellent. Je voudrais faire d'autres choses, donc ça me prendrait un système plus rentable qui fournit plus de spécimens. Pas plus de spécimens, plus une affaire que même quand je suis pas là, que ça fournit du jus. Fait qu'aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Bam, bam, bam. Je sais pas pourquoi je fais un son dramatique. On va avoir besoin de ça ici. Je peux pas le faire avant parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut juste, on peut pas le crafter. Il faut seulement le trouver dans le monde. Puis ma copine, dans ses aventures, dans ses explorations à travers le monde, elle a trouvé un de ces machins trucs que j'ai tout de suite mis la main dessus. Je ne lui ai pas dit, mais juste parce que j'ai oublié. Parce que je ne doute même pas que ça ne dérangera pas, parce que c'est pas c'est quoi, c'est pas qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver. Fait que c'est ça, aujourd'hui on modifie ça, Flush modifie ça aussi. Mais là, faut se préparer avant pour ce machin truc-là. Parce que faut faire une petite, pas une cérémonie, plus un rituel qui implique ça ici. Alors on prend ça, on va faire un shift right-click là-dessus. C'est comme ça qu'on fait pour l'activer. On fait un shift right-click, clic droit sur une table d'enchantement. Puis là, il se produit quelque chose. Mais là, si je fais ça, on voit Activation Ritual. Altar does not have a redstone circle. Altar n'a pas un cercle de redstone. Ça, c'est très simple à remédier. Altar cannot see the moon. L'altar ne peut pas voir la lune. Ça, fait que ça veut dire qu'il va falloir que je l'amène dehors pour qu'elle soit à ciel ouvert. Altar a sufficient natural earth. L'altar a de la terre naturelle en quantité suffisante. Moi, c'est quelque chose que je vais en mettre plus. Oui, il y en a assez. Probablement le petit morceau de dirt qui est à terre ici, c'est suffisant pour elle, mais moi, je vais y en donner plus que ça pour une raison que vous allez comprendre tantôt. Quoi d'autre? Altar must not be lit by outside sources. L'altar ne doit pas être éclairé par une source externe. Ici, il y a des lumières ici. L'altar ne doit pas être éclairé. Il faut que ça soit de la noirceur complète. Too early. Sacrifice must be made at midnight. Il y est trop tôt. Le sacrifice doit être fait à minuit. Fait que, m'a préparé ça. M'a vous posé ça sur pause. M'a préparé ça, ces choses, les affaires que j'ai besoin. Ben c'est ça, il va falloir que je prépare quelque chose dehors, mais on va vous expliquer après ça qu'est-ce que j'ai construit, pourquoi je l'ai construit. Fait que donne-moi 2 minutes, puis je reviens. Alright, je suis quasiment prêt. Je vais vous montrer un petit truc en passant. Pour ceux qui ne savent pas, ça peut être quelque chose de très pratique. Ça, on va se mettre ça là, on en aura besoin plus tard. Ça va me prendre un animal à sacrifier pour le rituel. Où es-tu, animal à sacrifier pour le rituel? Tu es là, animal à sacrifier pour le rituel. Oh my god, ma tête. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour une bonne cause. Viens ta vache. Ah la vache! Ok. On s'en parle là. Je vais vous montrer ma belle petite construction qui manque du gazon en dessous. C'est ça l'affaire que je voulais faire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça comme ça. Ici, on va mettre un petit levier qu'on puisse éteindre et allumer ces chères lumières. Parce que il faut qu'il fasse noir à 100%. On fait ça ici. Là, ici, ça nous prend du gazon absolument. J'en avais déjà plein sous moi, j'étais en chercher d'autres. C'est pas grave! Question d'accélérer le processus, parce que là, je vais avoir du gazon partout. Ce qu'il faut faire, vous faites une watering can, un arrosoir. Puis vous faites ça, puis regardez à quelle vitesse ça va, c'est génial. Ouais! Fait qu'on va du gazon dans le temps de le dire, on se casse pas la tête. Come on! Come on! Allez, poupée! Allez, poupée! Cet arrosoir-là, c'est excellent aussi pour le blé, les patates, les affaires, tout ce qui pousse dans le fond. Ça accélère le processus de beaucoup, comme vous pouvez voir. Là, je veux du gazon tout partout, parce que.
Je vous expliquerai pas exactement pourquoi je fais ce rituel-là. Vous allez tout comprendre à mesure que l'épisode. Là, je veux pas. Non, toi, tu es de trop. À mesure que l'épisode avance, vous allez comprendre exactement ce que je fais. Ça va être plus facile d'expliquer en vous montrant. Là, il dit, ça, c'est le cercle. Je suis pas mal sûr. Savez-vous, peut-être que je me trompe, mais je suis pas mal sûr. C'est ça, le cercle de redstone qu'il faut faire alentour de l'altar. Je me souviens pas si c'est plus grand ou plus petit, mais je sais que c'est en redstone qu'on met du redstone alentour. Mais je suis pas mal sûr, c'est ça. Puis aussi, il va falloir faire un sacrifice. Pour ça, j'ai été chercher notre volontaire ici. Mademoiselle la vache. Ah, la vache. Ça prend du gazon. Là, si je right-click, il va me dire qu'il y a trop d'éclairage. Voir tout ce qui manque, mon rituel. Altar, un redstone circle, parfait. Ce redstone circle-là, ce cercle de redstone-là est parfait. Altar, un circle placed on dirt. Ça, c'est. Check fern. L'altar peut voir la lune. Altar, la terre naturelle amplement. L'altar ne doit pas être éclairé par une source externe, puis il y a trop de bonheur. Pas de problème, la source externe, on peut l'éteindre. Je vais en avoir besoin plus tard, vous allez tout comprendre un jour. Pourquoi? What? Pourquoi tous ces morceaux-là, ils ont tombé? Ça, c'est étrange. OK. On éteint les lumières. Oh, le soleil se couche tranquillement, pas vite. Donc, on recommence. Must not be lit by outside sources. Je pense qu'il veut dire le soleil, là, ça fait que ça, c'est un détail. Le soleil se couche. Puis il faut que ça soit fait à minuit. Fait qu'on est quasiment prêt. Il me semble que j'oublie quelque chose. Ça, je vais mettre ça sur ma barre. OK. La structure que j'ai là. Parce que quand je vais faire ce rituel-là, toute cette terre-là. En tout cas, toute cette terre-là va se transformer en terre corrompue. C'est ça que je cherche, la terre corrompue que je veux. Puis la terre corrompue, ce que ça fait, c'est que les affaires, il y a toutes sortes de créatures qui spawnent là-dessus en quantité industrielle. Puis c'est constant, ça n'arrête jamais. C'est pour ça que je veux cette terre-là. On va pouvoir remplacer les spawners que j'ai là par cette terre corrompue-là, puis avoir des mobs à quantité industrielle. Pourquoi j'ai fait ça ici de même? C'est parce que justement, ça spawn des créatures beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est très, 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 très mortel. Fait que je vous recommande pas de juste faire ça dans votre gazon, de même pour le fun, parce que. Un, le temps que la terre corrompue est là, il va y avoir tellement de mobs que vous risquez de vous faire tuer coup après coup après coup. Je parle par expérience. Dans le passé, ça m'est arrivé. Fait que j'ai appris à faire ce cage-là. Là, même s'il y a des araignées qui spawnent, ils ne pourront pas monter parce qu'il y a un rebord. Ils ne peuvent pas passer par les trous. Fait que je vais pouvoir attaquer les pieds des créatures. Puis aussi, je suis tout simplement de mettre le premier cube. Non, je peux juste faire ça comme ça. Quand le soleil se lève. La terre commence à brûler, puis la terre corrompue commence à disparaître. Fait que c'est important de, une fois que le rituel est fait, que je couvre ça, puis là, je vais me faire attaquer parce qu'il y a des squelettes, des affaires là, de couvrir ça le mieux possible, m'en rester caché, m'en faire ça, ting, 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 le plus vite possible. Une fois que c'est couvert, j'allume les lumières qui va désactiver le spawnage, j'allume ces lumières-là, puis là, ça va désactiver le spawnage de créatures, puis après ça, descendre ici. Puis tuer les créatures qui sont là. Là, je vais pouvoir accéder à ma terre corrompue qu'il faut ramasser avec un pixel touch. Je vais en parler plus tard. Anyways, là, je vais attendre minuit pour pouvoir faire les rituels. Là, j'allumerai pas mes lumières. Je n'ai pas besoin tout de suite. Là, je risque de me faire achaler par des créatures externes. Fait que je vais attendre minuit. Puis ici, sur ma petite plateforme, ici, pour me protéger, moi, juste faire un petit rebord qui va tout le tour. Pour pas qu'il y ait de squelettes qui arrivent, des squelettes qui spawnent au hasard, puis qui viennent me harceler, me hanter, les creepers, puis d'autres créatures comme ça, même des araignées. Ouais, les araignées pourraient pas monter, c'est vrai. Fait qu'on va juste faire ça comme ça. Là, je vais peut-être avoir un problème ici. Parce que là, les créatures peuvent monter ici. Bon, ben écoutez, je vais finir ça. Je vous paye sur pause, je finis ça. Puis à minuit, je vous ramène, puis on va faire le rituel. Il n'est pas minuit encore, mais je sais que c'est à veille. On voit la lune est presque à son point. Parce que c'est un peu avant minuit qu'on peut commencer. C'est pas exactement minuit. Puis ça, on le sait, cette affaire-là, il va commencer à éclairer, à être comme
comme une affaire enchantée. Fait que c'est comme ça que vous allez le savoir. Fait que là, on attend, on est quasiment prêt. Aussitôt qu'on est prêt. Je crois. Faut que je me dépêche. Faut se dépêcher à sortir de là quand ça va commencer, parce que l'action commence relativement rapidement, si je me souviens bien. Mais j'ai mon jetpack, il est en bonne santé, je vais pouvoir monter en flèche et me sauver des créatures. Ou pire, si j'ai à mourir, je vais pouvoir aller mourir un peu plus loin. Come on, minuit! Come on! Come on, baby! Quasiment là. En espérant que ça marche, on va se croiser les doigts. Il est supposé éclairer? Non, il est trop de bonheur encore, ça dit en bas, too early. Ouais. Come on. T'avais, et voilà. Êtes-vous prêt? On fait ça. Perform sacrifice. It's too brightly lit. Ok, il dit que c'est trop éclairé. Ok. Ça me prend au dépourvu un peu. Je vois pas de quoi qui parle. Comment ça trop éclairé, voyons donc. F3. 0, 0, 0, 0, 0. Tout est à 0. Étrange, ok. Bon, ben... ça sera pas cette nuit, ça a l'air. Je vous paye sur pause, puis mais je suis prêt pour essayer. Je vous ramène. Ok, je suis prêt pour la prise 2. J'ai tout bouché les fenêtres de cette bâtisse-là. J'ai vraiment fait le tour. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de raison. Ça marche pas. J'ai même enlevé les lumières-là. J'ai peut-être qu'il y a un problème avec le mode, puis il pense que les lumières sont allumées ou quelque chose. Fait que j'ai enlevé mes lumières, ou puis je vais juste mettre des torches. Je vais me promener alentour ici, puis je vais mettre des torches. Ting, ting, ting. Quand ça va être fait. Parce que il n'y a pas de lumière. Je me suis ramassé 4 safarinettes avec des animaux dedans, comme ça. Si ça marche pas, je vais avoir le temps de réessayer d'autres choses. Ah ouais, éclaire-toi. Come on, je suis prêt. Let's go. Let's do this, motherfucker. Oh, ok. Fait que je fais ça. 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 Ouf. Ça a marché. Là, faut se dépêcher. Jeez, le son. C'était pas de même avant. Là, faut boucher ça avant que le soleil se lève. Non, 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 monsieur Creeper. Nope, nope, nope. Je ne veux pas être ton ami. Je ne veux pas de caresses. Non, 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 non. Bon, là, on va éclairer ça. Ils veulent vraiment ma peau saute. On va éclairer ça comme du monde pour arrêter le spawnage de créatures. Tiens. Oh! Jeez, 4 cœurs. Wow. Je suis pas ultra armé, mais je suis quand même armé. Gagdon. Quoi? C'est qui? Oh, c'est un bébé. Eux autres, ils passent par les trous que j'ai faits. Mais là, ils devraient plus spawner. Yo. Où es-tu, bergère? T'es là, mon petit Jésus, hein? Tu te caches, hein? Bon. OK. Là, ça devrait plus spawner. Je devrais pouvoir toutes les tuer. Toum. Puis j'ai plus de problème. Je vais pouvoir rentrer là, ramasser cette terre que je veux. Ok, ça a l'air pas mal bon, ça. On va sortir ce pic-là, parce que c'est surtout ça que je veux. Tiens! Fait que c'est cette terre corrompue-là qu'on va utiliser. Là, vu que c'est fini, tout est beau, ce que je vais faire, je vais vous couper ça là. Je vais ramasser cette terre-là, puis je vais me préparer pour la phase 2 qui est modifiée, ce machin truc-là. Fait que je ramasse ma terre corrompue, puis je vous reviens. Ok, je suis pratiquement prêt à faire ce que j'ai à faire. Malheureusement, dans mes activités tout ça, il y a une turtle qui a péri. Fait que, j'aimerais ça prendre une minute de silence en l'honneur de cette turtle qui est morte.
Qui est mort? Hein? Bravo, gosse. On va savoir. Alpha. Bravo. Charlie Delta. C'est Echo. Echo est mort. Non, Echo. C'était ma préférée. Là, j'ai modifié la structure ici, je l'ai aminci, je vais enlever ça, c'est du superflu, j'ai pas enlevé, j'ai enlevé ça. Une autre fois, là, ça me prend ces machins trucs-là, là, ça c'est du dirt ordinaire, oui, j'ai remarqué, je sais, merci, pas obligé de laisser un commentaire. Ce qui arrive, je vais mettre les fans à l'envers, je vais utiliser ces machins trucs-là, ça s'appelle des fans, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à envoyer de l'air, Parfait. Parce que je peux pas utiliser de l'eau, parce que je peux pas mettre de l'eau par-dessus la terre corrompue. Là, j'ai mis ça à la place de la terre corrompue pour le moment, juste le temps que je travaille. Ben, je voulais pas avoir de mobs qui spawn et qui viennent m'arracher la tête pendant que je travaille. Là, je pense que c'est ici les fans. Je crois que c'est là. Oh, tiens, on prend une chance. Yep, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien compté? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Parce qu'il y avait eu un petit lag, puis. Ok, il y a une fan là. Pas là. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il y a une autre fan ici. Ça. Ouais. Savez-vous, je suis quasiment plus intelligent que j'en ai l'air. Nah. Je suis aussi calme que j'en ai l'air. Ça, on vient ça, on va mettre un levier ici pour les activer, les désactiver. Viens ici, petit levier. Petit levier, petit levier. Là, je viens ici, ouhou, ça me pousse, ça va me pousser sur les turtles, ben pas moins, les mobs. Excellente, my capitaine. Ah, je me suis cassé une cheville. J'ai plus de bottes, c'est pour ça, c'est pas grave. On va survivre. Là, ça va me prendre du Dark Glass par-dessus ça. Malgré. Ouais, on va mettre du Dark Glass tout de suite pour pas que le soleil puisse venir détruire ma belle terre corrompue que j'ai travaillée si dur à voir. Puis je sais pas pourquoi que ça me disait que l'éclairage, il y avait trop d'éclairage, honnêtement. Je suspecte que c'était les lampes que j'avais là. Puis il y avait un genre de petit conflit entre les modes, le mode qui met les lampes, puis le mode qui fait le rituel. Peut-être qu'il voyait les lampes et il pensait qu'il était allumé. Je sais pas. Je les ai enlevés. Puis comme vous pouvez voir, ça a très bien marché. Mais comme je vous dis, préparez-vous en avance parce que moi, dans le passé, j'ai eu des mauvaises aventures. Tu meurs, tu perds toutes tes affaires, là, tu veux retourner, puis il y a tellement de mobs qui spawnent, puis d'affaires. Puis le soleil finit par apparaître un jour, puis là, toutes tes affaires disparaissent, puis ta terre corrompue, elle brûle. Fait que c'est ça. Préparez-vous. Là, on va ramener le soleil. Quand le soleil fait... Non. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. C'est pas une toune que j'aime, mais c'est une toune que je connais. Why? Quoi? Pourquoi? Tiens. Ok. Fait que là, les fans sont couvertes, il n'y a pas de lumière qui peut rentrer là. Eux autres sont pas connectés encore, faudrait que je les connecte, que je puisse les désactiver. Faire sûr que ça marche bien. J'ai pas mis de trou. Je suis un génie. Il faut que je trouve mes fans, mes lumières. Ok, il y en a une là. Une là. Puis ici. Comme ça. Ok, fait que là, on prend de ça ici. Là, je vais peut-être mettre quelque chose de plus pratique éventuellement. Pour le moment, on fait ça un peu ghetto. Là, non, ça. Je n'ai pas le choix. Je peux pas mettre ça de main. Il va falloir vraiment que je vienne passer ici. Parce que cette terre-là va disparaître. Dans le fond, il faut aussi que je mette ça. Tout, tout, tout. Puis ça. Puis ça. Ça, ça va rester là. Vous allez comprendre dans deux secondes pourquoi. Ça. Il est ici. Comme ça, excellent. Tout le monde est couvert. Yep, on s'en vient ici.
On met le levier. Si je fais ça, les lampes s'éteignent. Excellent. On rallume. OK. Ici, les deux trous-là, ça va être des hoppers. Parce que là, les turtles, je vais les mettre au niveau du sol pour pouvoir tuer les araignées et toutes les créatures qui seront trop petites. Avant, il était un plus haut. Il y avait un bloc d'espace avec les araignées à repasser en dessous. Fait que je vais mettre les turtles au niveau du sol. Donc, les hoppers en avant. Fait que tout ce qui va se faire tuer, tous les items vont tomber là. En dessous ici, il va falloir que je mette des blocs. Là, ici, ça prend un bloc. Ce que je vais mettre, c'est ça ici. On va préparer nos lignes directes. Donc, on va juste mettre ici. OK. Je crois que c'est comme ça. Pas toi. Toi. Qu'est-ce que je fais là? Moi aussi, je m'en vais avec mes skis. Non, mais voulez-vous bien me dire? C'est lui. Yeah! Tu connectes pas? Pourquoi tu connectes pas? On se construit pas la tête tout de suite avec ça. Ça connectait avant, ça va connecter encore. Ah, OK, il fallait juste que je rajoute. OK, je te pourrais faire sortir en dessous, mais ici, c'est correct. C'est pas de problème avec ça. M'a fait comme avant. Tout dans une poubelle. J'ai pas assez d'items. C'est pas grave. M'a lâché plus tard. Extrait. Tu vas extraire toujours. Tu vas extraire toujours. Excellent. Puis là, je vais pouvoir mettre les blocs que j'ai pas emmenés avec moi. Qu'on va aller chercher tout de suite. J'ai un commentaire, un lien. J'aurais dû marquer ton nom. À propos de Logistics Pipe, je sais que je disais que je voulais l'installer. Master, je suis rendu avec Apply Logistics. Logistics Pipe serait un peu redondant, serait un peu inutile. Fait que je ne l'installerai pas. Merci quand même pour le lien. Ah oui. comment ça s'appelle ça? Merde, je me souviens plus du nom. Je sais pas si je l'écris de même. Il va-tu aller par le mode? Non. Merde. Comment ça s'appelle? Ah, c'est des façades. OK, ils sont ici. Puis tant qu'à être ici, je vais amener des items. Doc. J'aurai besoin des fluid doc. Des canards fluides. doc. Je suis rendu au point de l'émission où c'est que mon sens de l'humour commence à faire défaut. Fait que, pardonnez-moi. Toi, tu vas insérer là-dedans. Parfait. Fait que tous les systèmes vont être aspirés puis mis là-dedans. Là, ça va être ceux-là. Parce que j'ai oublié de configurer ça. Là, on va mettre... tiens, un G. Est-ce que je peux... Ah, OK, je peux faire les deux du même côté. OK, on voit une petite barre verte. Hein? Je vais me coucher, moi, niaiseux. J'ai hâte d'apprendre quelque chose. Et voilà. Yeah! Fait que je peux faire les deux sur la même face. C'est excellent. Je n'ai pas besoin de faire ici. Je pense qu'il va falloir que je le configure à extraire. Ça va être extract. Même chose pour toi. Extract. OK, génial. Là, j'ai déjà mis un tuyau là. Je n'ai pas besoin d'en mettre un autre. On va enlever ça. Bon, il se fait aspirer. Pas de problème. OK, parfait, c'est génial ça. Ça devrait fonctionner, fait que l'expérience plutôt va se faire respirer, génial. Là, ce que je veux mettre ça ici pour justement couper la lumière à l'intérieur. Comme ça. Fait que là, en dedans, il devrait faire relativement clair parce que j'ai encore les lumières allumées. On va voir ce que ça donne. Ah! OK. Il me reste à mettre mes turtles. J'en ai besoin de 5. Faites ça 5 de large. J'ai amplement. Plus que ça, ça serait inutile. Je vais tellement produire de mobs. OK. 5. J'ai bien dit 5. Fait que... 1, 2, 3, 4, 5.
Allez les gars, on s'en va ici. Là, on va me faire un trou pour sortir au moins. Parfait. Ah, oh, casser les chevilles. Ah, c'est vrai, il faut que je les mette sur l'autre sens. Dans le fond, j'avais pas besoin de tout pour sortir. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La dernière apparaît pas. Elle apparaît sous mon curseur et on la met comme ça. J'ai besoin des blocs comme ça. Là, si je ferme la lumière, malgré que là, j'enlève un bloc. Juste faire sûr que tout est hermétique, parce que le terre corrompu, je la garde pour un dernier, je mets pas ça tout de suite. C'est absolument horrible. Smooth, il y a de la lumière. Ah, parce qu'ici, ici, ici, il y a un trou. OK. Ow! Ow! Faut que j'apprenne à chauffer, hein, à piloter. OK. Là, il y a encore de la lumière. D'où viens-tu, petite lumière? Est-ce que ces lampes-là laissent passer la lumière du jour? On va essayer quelque chose. Puis là, parce que là, tu veux, ça ne change pas la lumière, fait que ça me donne l'impression que c'est ici que la lumière rentrait. Ah. C'est ça. OK, il laisse passer la lumière. Ça peut être un problème. Ben, écoutez, pour le moment, c'est... Ben oui, c'est la fin du monde. Ce serait vraiment pratique si je pourrais allumer et éteindre les lumières. Donnez-moi 2 secondes, je vais trouver une solution à mon petit problème. Et puis, je vous ramène. All right, c'est réglé. Vous voyez, les lumières sont là. Il fait noir comme chez le diable. Et j'ai résolu mon problème grâce aux tuyaux d'Ender IO, les Insulated Redstone Conduit. J'ai pu les connecter sur les lampes, puis j'ai mis des façades pour bloquer la lumière. Et voilà, bingo bango, c'est réglé. On ne peut plus aller en dedans, on ne voit plus en dedans. Et là, si je fais ça, il fait clair, ça désactive tout. Fait que là, il reste juste à mettre la terre corrompue. Ah, eux autres. Ils ne sont pas activés, c'est vrai, il faut que je les regarde au moins une fois. Là, tu devrais t'activer, ouais. Comme ça. Ah, il faudrait que je vous pète sur pause 2 petites secondes, ce ne sera pas bien là. OK, désolé pour cela, je suis de retour. Là, j'avais laissé ça ouvert ici sur le toit, pour pouvoir rentrer et sortir, et regarder ce qui est arrivé. Aussitôt, avec la lumière du soleil, ça a pris en feu, la terre a commencé à disparaître. Fait que c'est très sensible à la lumière du soleil, faire très attention avec ça. Là, il n'y a pas de problème, juste avec cette lumière-là, il n'y a pas de problème, c'est génial. J'ai pas activé les fans encore. On ferme les lumières, on voit si ça spawn. Il y a encore de la lumière, on dirait qu'il rentre. Par où rentre-t-elle? Ça devrait spawner pareil. On dirait que ça vient de là, honnêtement. J'ai pas des façades. OK. Je ne suis pas fou. Je suis sûr que... Là, il n'y a rien qui spawn. Ça éclaire trop. OK. Bon, ben, on va utiliser une autre technique. D'abord, je vais enlever ces lumières-là. De toute évidence, ça ne marche pas. Donne-moi 2 secondes, je vais trouver une solution à mon problème encore, puis je reviens. Bon, j'ai trouvé ma solution, c'est simple, j'ai enlevé les lumières carrément. Là, il fait noir, on voit que ça spawn. Mais les mobs, ils se promènent pas, ils s'en vont pas par là. Ça fait qu'on va aller allumer les fans, qui va pousser tout le monde vers les tortues. Ouais, merci. OK, fait que là, je sais pas si vous voyez. Mais ça semble marcher. Oh yeah, oh oui, ça marche. Oh yeah. Oh yeah, baby. Puis ça va fonctionner tout le temps, que je sois là, que je sois pas là. Il y a des mobs qui vont spawner puis ils vont se faire tuer. Là, une araignée est rendue par-dessus des turtles. Ah, oh, ça fait tuer. OK, elle essaie de descendre. Pas de problème. Mais ça, et puis ça, il va y avoir toutes sortes de monde. Il va y avoir des Endermen, des affaires-là. Fait que je vais me ramasser avec des Ender Pearl. Malgré que je m'en vais les faire détruire... On va peut-être inventer un autre système, trier des items que je veux garder. Il y a des affaires que je voudrais peut-être garder.
Une affaire que je ne veux pas garder. Fait que je mettrai une affaire de triage que, de quelque sorte ici. Ça, ça marche-tu? Et on va y ça là-bas. Ça va remplir là-bas. On va aller voir si ça, si ça fait de l'expérience. C'est supposé, bien entendu, mais on va aller confirmer. Fait qu'avec ce système-là, je vais pouvoir enlever ça aussi. Je vais mettre d'autres choses là. Mais on va pouvoir enlever tous ces machins trucs-là. Parce que ça, ça va produire tout ce que j'ai besoin. Ah, 602, 603, 4, 9, 10, 11, 7, 8, 8. Ouais, ça monte tranquillement pas vite. Génial. Fait que ça marche. J'ai pas un mot à dire. Il y a de l'expérience qui rentre. Ça va rentrer tout le temps, sans arrêt, même quand je suis pas connecté. Génial. Fait que là-dessus, je vais faire des explosions. C'était quoi cette explosion-là? Dis-moi si c'était une plante à creeper, puis c'était pas quelque chose d'autre. Oh. Oh, j'ai peur. Oh, Creeper. Tu fais quoi, là, Creeper? Pourquoi t'es là? J'ai dit peut-être que j'ai une Turtle qui a insulté un Creeper un petit peu trop. Mais ça spawn-tu à l'extérieur d'où ce qu'ils viennent? Pas supposé avoir personne à l'extérieur. Par où t'as passé, toi? Parce que peut-être mes turtles peuvent frustrer les... Pourquoi il y a de l'expérience? C'est quoi ce trou-là? OK. Il y a de toute évidence des petits bobos à réparer à mon machin truc, mais en général, ils marchent bien. Je sais pas d'où ce qui venait, ces mobs-là. De feu, ok. Oh! Ok, des chats qui viennent passer dans la machine. C'était pas un son très intéressant. C'est des Wither Cats, ça s'appelle. En parlant de chat, mon chat vient de venir me trouver. Anyways, fait que ça marche mon affaire, c'est ça que je voulais. Il y a peut-être des petits bugs à régler, mais ça, on m'a réglé ça entre temps. Puis peut-être je vous en parlerai au prochain épisode des solutions. S'il y a des solutions complexes que j'ai dû faire, des affaires simples, je me conseillerais pas de vous l'expliquer parce que je suis sûr, si vous faites le même système, vous allez trouver les mêmes solutions que moi si c'est simple. C'est plus quand c'est des affaires complexes, des fois, on peut s'entraider pour des affaires complexes. Mais anyways. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime. Laissez un commentaire, n'importe quoi. Ne vous gênez pas. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous parle la prochaine fois. Bye.